Merci. merci. Merci de vos applaudissements. On va, on va discuter avec, euh, avec jean Pedro, puis ensuite Cocheta euh, et André Cabral nous rejoindront s'ils ne sont pas encore arrivés, mais ça ne saurait tarder. Euh... <laughs> non, je, je suis. Euh... Euh, je sais pas quoi. J'ai pas de mots. Jean Pedro, un... je to... pas du tout. Jean, Jean... Merci. Jean Pedro, c'est un grand plaisir de te réaccueillir à la quinzaine des réalisateurs avec Feu follet. Est-ce que tu peux nous parler bon, à la fois du titre et aussi du sous-titre Tu présentes ça comme une fantaisie musicale, genre inédit dans ton cinéma. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît C'est un vrai plaisir de vous voir ici. Pouvez-vous nous parler de Will of the Wisp, le titre et le sous-titre, parce que c'est étiqueté comme une musical fantasy, qui est un genre jamais vu Je pense que pendant que nous tournions le film, uh, oh no, je parle en français, pardon. Uh, <laughs> pendant qu'on tournait le film, euh, je crois qu'on a vécu dans un monde de fantaisie avec tous ces acteurs, avec l'équipe avec qui je travaille tout le temps, avec euh, mes, euh, mes producteurs, Terre-Trem, euh, Films, euh, House on Fire. Et c'était un tel plaisir. Je crois que cette fantaisie, c'est à infecter les films. et j'ai découvert peut-être ce sous-titre parce d'abord j'avais pensé à une comédie ou une tragique comédie mais ça me semblait mieux c'était vraiment après le tournage que après ce moment très spécial novembre dernier Uh, well, while shooting, uh, I have to say we all lived in a, in a world of fantasy uh, with the actors I work with all the time and the producers. It was such a joy. I think it uh, infected the film in a way. And uh, at first I wanted to label it a comedy or a tragic comedy, but I didn't feel like it was enough. And after the shoot, I decided to, um, I, f I felt it was better to, uh, to name it um, uh, uh, Musical Fantasy. That was, uh, the shoot was back in November. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'écriture du scénario que tu as coécrit avec ton compagnon, ton directeur artistique Jean-Ruigera de Mata et avec Paolo Lopes garza Quelles ont été les idées qui ont à ce, à ce scénario Est-ce qu'il y avait les pompiers Est-ce qu'il y avait les arbres Est-ce qu'il y avait la famille royale Dans quelles idées Les firemen, les arbres et la famille royale so, uh, in the writing, were the, what ideas euh, je crois que la, le désir, l'idée du départ pour ce film, c'est que notre prétendant, euh, à, je ne sais pas même comment dire ça en français, le, le, au trône, euh, il, 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 euh, il, est, il, il voulait être pompier. Euh, et les je mêmes demande d'accueillir les acteurs. Ah. André Cabral et Mauro Costa, s'il vous plaît. Ah, il y a juste, il y a juste Moreau. Il, y a, juste Moreau. il y a juste Moreau. Bravo. So the starting point of the film was that, our, that the prince uh, wanted to be a fireman. Uh, uh, the, the real, uh, le vrai. Euh, le, le, non, le vrai. Bon, on, a, on vit dans une république depuis 1910, donc euh, le, je crois que le film parle aussi beaucoup de cette idée de, de comment est-ce qu'on se met en scène. So 1910. film really you Est-ce que tu peux nous parler de, du choix des acteurs, puisque Moreau est là? Comment est-ce que tu as travaillé à la fois évidemment sur ce rôle de, de prince qui veut devenir sapeur-pompier et sur ce rôle de, de sapeur-pompier, le, le grand amour de sa vie qu'il va rencontrer à la caserne Comment as-tu you casté vos acteurs euh, Mauro, on... c'était Jean-Ruy Gerdamata, qui est le, le co-scénariste qui est là, euh, et qui aussi est aussi un directeur artistique, qui l'a vu à la télé dans un sketch euh, sur euh, l'intolérance ou un truc comme ça. Et il, a, il me l'a montré, après j'ai rencontré Mauro, il finissait les, une école de théâtre et j'ai tout de suite pensé qu'il devrait être euh, le prince. Et après j'ai découvert euh, André Cabral, je vous laisse traduire, pardon. C'était mon co-writer qui a vu Mauro sur la télé et un sketch sur l'intolérance. Et puis je l'ai vu, il était juste sorti de la scène et je pensais qu'il devrait être le prince. Um, j'ai découvert André Cabral, il est danseur. Uh, il n'a il pas, pas fait d de films comme acteur. Et je les ai mis ensemble et, et ils fonctionnaient comme dans le film. Uh, et j'ai tout de suite compris que ça devrait être eux. Et on a commencé, le film a été décalé à cause de la pandémie. Donc, euh, on a eu beaucoup de temps pour, euh, pour euh, répéter et, et se connaître et, et pour arriver jusque là. Et donc, l'autre acteur, André, est un danseur d'origine. Et quand j'ai mis les deux ensemble, j'ai immédiatement vu qu'ils se sont réunis, comme dans le film. Et uh, since le the, um, the, the film uh, a été was à cause de la COVID, nous had eu beaucoup de temps pour rehearse moreau est-ce que tu connaissais le, le travail de, de Jean Pedro Est-ce que tu connaissais ses films Et comment as-tu appréhendé ce personnage de, de prince euh, qui veut devenir sapeur-pompier Est-ce que tu as suivi un entraînement Did you Bonjour. Um, yeah, I knew Jean's work before. Um, I've seen some of his films, uh, and it was something that I, I always loved because it, it's so raw, it's so pure in a way. Um, and I, sorry, uh, je vous demande d'accueillir <laughs> André Cabral, s'il vous plaît. Je ne me souviens pas où j'étais. Alors oui, j'avais vu, euh, vu plusieurs de ses films que j'adorais, j'aime la pureté de son cinéma. Est-ce que tu as suivi un entraînement spécifique Tu eu un trainement Oui, nous avons fait un trainement avec le Corps de la Fire Corps, comment marcher, et aller le pole et and le CPR and et tout. And, It was really, really helpful. Really helpful. Oui, on, on s'est un petit peu entraîné effectivement avec, euh, avec des, des pompiers à enfin, la, la caserne euh, pour apprendre à marcher de la bonne façon, à descendre la perche et puis pour ensuite pour pratiquer les, les mouvements de réanimation. Ils ont fait un stage, un petit stage chez les pompiers. Les vrais pompiers, parce qu'on a tourné ce film dans une vraie caserne. Because we shot in an actual uh, firehouse, and so uh, they did have some training, uh, a, a small two week training from the, the fire brigade there. Did they know the type of film that you were shooting? C'est une demande pour qui? Why? Non, ils <laughs> Peut-être pas <laughs> tout exactement en détail. They knew, but maybe not everything in detail. But we live in 2022, and I in, hope. In French, in French. Mais on est en 2022, donc euh, voilà. Pardon. <laughs> André, par, euh, Jean-Pedro parlait de toi comme danseur. Euh, en quoi cela t'a aidé à appréhender ce rôle de sapeur-pompier et comment le travail s'est passé avec Jean-Pedro et avec Moreau So, Andre, uh, you're a dancer originally. So, how did you approach uh, your part, your character, and your work with Joao and uh, and more? Um, uh, hi. Uh, <laughs> basically, um, João Pedro he has um, a way of doing things, and he also like designed in his head, at least for me, like it felt like he already had a clear idea in his head how we should. Uh, uh, portray these characters you know so obviously there's the movement part and everything but for me approaching the character was really like about uh, creating uh, this um, um, way of existing uh, with him you know that's not that far of who i am really but uh you know just finding a different way of existing and jean Pedro is also like very involved with the with the process, and he always makes sure to to ask how how we are feeling, and you know, and also give us uh, like some input of how he feels we should you know uh, get into the character. So it was I, I wouldn't say like it was easy because it wasn't at all, but I felt guided in that sense. So yeah. For me, it was more that. More than like, uh, obviously, you like you. Uh, okay. Okay, uh, Obviously, like, uh, you have texts and you have things that you have to say in a certain way, but um, it's not like I was left completely alone or uh, had to make those decisions by myself. You know, it was a. Uh, Euh, oui, en fait, je sentais vraiment depuis le départ que Joao Pedro, il, il avait une idée assez, assez claire hein, de ce, de ce qu'il voulait faire. Euh, moi, euh, mon, mon, mon but, c'était de créer une façon d'exister, une, une certaine présence, et euh, notamment en relation avec, euh, avec mon, 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 mon co-acteur, mon co l'autre personnage. Euh, il n'est pas très, très éloigné de moi, ce personnage, euh, mais évidemment, il fallait quand même euh, créer son, son, son existence propre. Euh, et João Pedro était très présent, il nous donnait vraiment des, des indications sur la façon d'entrer dans le, le personnage. Je ne dirais pas que ça a été euh, forcément facile parce qu'il y avait du travail, mais je me suis sentie euh, guidée euh, et je me sentais euh, donc pas, pas du tout livrée à moi-même dans ce processus. Le film étonne. Surprend ébloui par sa beauté visuelle, est-ce que tu peux nous parler du, de la direction artistique faite avec jean Rodrigueira de Mata et aussi de la, du travail avec le grand directeur de la photographie Rui Pochas Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble spécifiquement sur, sur les couleurs du film, sur les accessoires, sur la direction artistique uh, The film is astonishingly beautiful visually. Can you talk about the work that you did with the art director and the DOP about the, uh, with the colors and the props Déjà, merci. <laughs> euh, je travaille avec Jean-Rouet et mon compagnon depuis plus de 30 ans. Euh, on a toujours travaillé ensemble. Rui Posse a commencé à travailler avec moi dans mon premier long métrage au Fantasme. Donc, on se connaît très bien. On a toujours travaillé ensemble. Euh, donc, je crois qu'on est arrivé à un point où on n'a même pas besoin de trop discuter. Mais comme. Tout est très écrit. Moi, j'écris beaucoup les scénarios avec des directions très précises de, au niveau de, des objets, au niveau de la lumière aussi. Et là, il y avait vraiment des, plusieurs moments. Euh, il y avait la peinture, il y avait, oh, il y avait toute cette idée euh, de recréer euh, joyeusement euh, un monde un peu fantaisiste, pour revenir à la fantaisie. Euh, on, mais on a parti toujours du réel. Et ça, pour moi, c'est peut-être le plus important. C'est arriver à la fantaisie à partir du, du concret, et du réel et du corps. Et du corps de ces deux euh, merveilleux acteurs et, et les autres que... Uh, yes, well, we have been partners for 30 plus years and uh, we have always worked together, so sometimes there's not even need, no need to talk. Uh, and when I write the script, I write very specific indications about props, about lighting as well. And um, we won just wanted to joyfully recreate this world of fantasy uh, once again. But uh, what's important to me is that it's drawn from, from uh, reality. Uh, fantasy uh, is born from uh, reality, from the real. Non, avant de vous passer la parole, une dernière question parmi d'autres. Euh, dans Fantaisie musicale, il y a musical. Comment as-tu euh, créé cette euh, étendue musicale du film qui va de, de Mozart au Fado, en passant par euh, de la musique plus électronique Comment as-tu euh, composé, euh, au sens manuel Comment as-tu créé cet univers musical du film qui va, évidemment, jusqu'à cette chanson On arbre et on Amigo qui va vous rester en tête pendant trois semaines à peu près Je vous rassure. Comment avez-vous construit ce monde musical uh, entre Mozart et et l'électronique Tout ça était à l'écriture. Peut-être le Mozart n'était pas à l'écriture. Et ça, c'était beaucoup avec Paul Lopschgrasse, qui est très fort en musique. Paul Lopschgrasse, c'est un ami très cher, euh, qui est diplomate. Et c'est son premier travail d'écriture. On lui a proposé d'écrire avec nous. Et il connaît énormément de chansons un peu anciennes et un peu, même souvent un peu presque en garde. Mais on, on a essayé de les utiliser d'une façon euh, qui, qui porte un autre sens. Un arbre, un ami, c'est euh, une chanson des années 80 euh, de Carlos euh, Spayank, qui était un chanteur euh, euh, qui est mort euh, très jeune. Chanté par Joel Branco et Joel Branco, c'est l'acteur qui fait le de euh, Alfredo Donc, c'est lui-même qui est le roi, le prince mourant. It was all in the writing, but maybe not the Mozart, but uh, it, it's thanks to my uh, dear friend uh, who co wrote with me, uh, who was one of the co writers and who's a diplomat originally. And so he knows all these old songs, some of them old fashioned sometimes. And um, we we liked using them to bring to bring them uh, back into uh, the modern world. This uh, song, A Tree of Friend, is from the 80s. And it's actually sung uh, by João who's um, who plays Alfredo, uh, the, the prince, when he's old in the film. So, euh, donc, à la fin, quand on réécoute la vraie chanson des années 80, c'est la, la chanson qu'il a chantée dans, dans les années 80 pour Le Jour de l'Arbre. C'était une chanson faite pour Le Jour de l'Arbre. Uh, Et pour euh, juste pour peut-être Paul Braganza, Paul j'avais utilisé une chanson de lui dans La fin de mourir comme un homme. C'est une chanson qui s'appelle Immense » Euh, euh, immense, euh, et qui a été chanté par euh, Fernando Santos d'Ebrahma cristal qui jouait le rôle principal. Et j'avais toujours voulu le rencontrer. et il, il était un iconoclaste du fado dans les années 80 aussi. Il, il s'habillait en joupe à l'époque. Il a vraiment renouvelé le fado. Et après, il est parti en Irlande. Euh, et il, maintenant il est revenu et je l'ai contacté et je lui ai proposé de parce que cette, le, fado, le dernier fado et tout ça l'a c'est un fado très très traditionnel et, et royaliste. Euh, c'est même euh, et, et il l'a complètement euh, chanté d'une autre façon et après on a joué avec les mots euh, surtout à la fin comme vous avez pu euh, euh, vous en apercevoir. Um, and uh, Paulo Bragança. Uh, I, um, I used one of his songs uh, pre in one of my previous films, "To Die Like a Man," uh, and uh, it was sung at the time by the main actress. I've, I had always wanted to meet him, but he had moved um, to Ireland. But then he came back. He he actually reinvented fado in a way. And the, so the last one, the last song, the last fado, is a very traditional and royalist song. And uh, so he um, rearranged it differently and uh, played with the words, as you may have noticed at the end. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle N'hésitez pas, un micro est à votre disposition. Merci. Je me demandais si, en, en dehors de quelques thématiques de l'histoire du Portugal que vous, que vous traitez avec humour, que ce soit le catholicisme, que ce soit l'esclavage et le colonialisme, s'il n'y avait pas aussi, bien sûr, la référence écologique avec ces fameux terribles incendies qui ont eu lieu au Portugal ces dernières années et, et où on sait que, bon, un certain nombre de, de personnes ou de méthodes sont responsables des fameux incendies. Est-ce qu'il y avait un message de votre part aussi dans ce domaine-là. So, uh, besides the, the themes that you uh, the tackle of, of Portuguese history with, the, with a lot of humour, Catholicism, uh, slavery and colonialism, is there also an environmental uh, message towards the environmental tragedies like the forest fires? Oui, bien sûr, c'est ça qui déclenche le désir chez le jeune prince de devenir pompier. Euh, et, et cette chanson, qui est une chanson des années 80, et qui est assez naïve. C'est une chanson pour enfants, euh, avec des paroles assez naïves, mais je pense, en la reprenant maintenant, ça parle beaucoup avec une autre complexité de, 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 de ce qu'on vit maintenant dans, dans le monde. Oui, yes, absolument, parce que dans story, c'est ce qui the le désir pour prince de devenir un fireman. C'est uh, originalement un rhyme pour enfants avec des lyrics assez naïves, mais je pense qu'aujourd'hui, ils résonnent très différemment, d'une manière plus complexe. Est-ce qu'il y a une autre question N'hésitez pas. Merci. Hello, thank you for this um, great film. Um, I was just wondering, where did the idea of this film come from, and why did you decide to go with this project and actually film it and um, make it into here Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film et de, de le, vraiment de le, de le réaliser, d'aller au bout de ce projet je réponds en français toujours. Ouais. Ouais, ouais. Euh, je voulais faire une comédie, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Une comédie, euh, tu disais que fan, fan, fantaisie musicale n'existait pas, mais comédie musicale, ça existe. Donc, au départ, c'était faire une comédie musicale. Et toucher, euh, on a vécu un moment très dramatique avec les incendies au Portugal, et toucher tous ces sujets aussi. Euh, du réchauffement euh, global, tout ça, euh, et toucher ça d'une façon euh, ironique. Euh, et, et je voulais vraiment prendre plaisir, parce que souvent je vais au cinéma et je prends pas. Je, je voulais faire quelque chose de joyeuse, mais qui en même temps puisse parler des choses sérieuses. C'est un peu comme Lubitsch, Lubitsch qui, ça semble que de la légèreté. it's very, very profound. i an inspiration, Well, I had always wanted to make, to make a comedy, and even if musical fantasy doesn't exist, a musical is a genre that I really wanted to tackle. Uh, and uh, through this genre, I wanted to be able to deal with issues like the forest fires and, uh, and global warming in an ironic way. Uh, and also, I wanted to have fun. I like having fun when I go to the cinema. And I like making. I wanted to make a film that would, would be joyful, but to talk to tackle serious issues, uh, just like Lubitsch did uh, under a, something that seems very light. He um, talks about very serious topics. We must, malheureusement, libérer the salle. Thank you, André. Thank you, Moreau. Thank you, Jean-Pedro. Thank you, Morgan. And thank you. I want to take a photo with you.